L'Église et la famille Montfortin prient pour les disparus, spécialement les 11 Montfortin et les filles de la sagesse. C'est aussi en ce jour que nous avons posé la première pierre pour ouvrir le 150e anniversaire des missionnaires Montfortin en Haïti. Avec la fondation Digicel, nous allons bâtir les bâtiments qui vont recevoir le complexe éducatif. Nous disons merci au Seigneur pour nous avoir gardés jusqu'à aujourd'hui et pour nous permettre de vivre des événements heureux. Mettons-nous debout et débutons notre célébration eucharistique en chantant avec la chorale. Yeah.
grâce miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec Jésus qui nous a sanctifiés et qui a fait de nous ses frères, nous sommes sanctifiés et nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est ce que nous allons écouter dans cet extrait du livre de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2.
Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, versets 5 à 12. À qui Dieu a-t-il soumis le monde à venir? Ce n'est pas à des anges, puisque l'auteur de psaume déclare ceci. Ô Dieu, qu'est-ce que l'homme ou que tu penses à lui? Le Fils de l'homme pour t'occuper de lui. Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Cependant, en fait, nous ne voyons pas encore que tout lui est soumis. Mais Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges. Et maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance, celui qui est à l'origine du salut de tous. Car Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Et pour cette raison, il n'a pas honte de nous appeler ses frères quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères. Je te louerai en pleine assemblée. » Parole du Seigneur. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu en nous camper pour nous acclamer l'évangile là. Bon Dieu, tout le monde pour le mettre dans le temps. Amen.
Ce n'est pas une parole humaine, c'est vraiment Dieu qui nous parle. Alléluia. Chapitre 1er, du verset 21 au verset 28. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence! Sors de cet homme !» L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils y obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Cher Père Wismic Jean-Charles, vicaire général de la congrégation de Montfortin, cher Père Jean-Saint-Louis, vicaire supérieur provincial, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, les frères et sœurs les consacrés venus en grand nombre à cette célébration, chers élèves, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés pour invoquer le nom du Seigneur
et pour implorer sa bénédiction sur nous, sur les Montfortins, sur l'Église et sur le pays. Nous sommes rassemblés pour faire mémoire de ce séisme dévastateur qui emporta près de 280 000 personnes et détruisit des quartiers de la capitale et d'ailleurs. Rassemblés pour prier pour les défunts, parents, amis, confrères, consoeurs, collègues, bienfaiteurs emportés par le douloureux événement. Rassemblés aussi pour célébrer la vie, pour ouvrir l'année jubilaire des 150 ans de présence des Montfortins en Haïti. Rassemblés pour écouter la parole de Dieu et nous nourrir du corps de Christ. L'Évangile proclamé en ce mardi de la première semaine du temps ordinaire fait dérouler sous nos yeux la première journée du ministère de Jésus à Capharnaüm. Jésus enseigne. Jésus chasse les démons. Il guérit les malades et il prie. Et tout cela avec ses quatre premiers disciples. D'abord, Jésus enseigne. Il annonce la proximité du règne de Dieu, règne d'amour, de justice pour tous. Jésus apporte une parole d'espérance au peuple. Il délivre un message capable de mettre les gens debout. Et il le fait avec autorité, écrit saint Marc. Jésus avait une pensée originelle, une pensée personnelle. Cela lui venait de sa familiarité avec son Père. Son autorité se manifeste surtout dans son action, dans sa praxis libératrice. Jésus guérit les malades. Il chasse les démons. Sa parole est puissante. Sa parole est énergique. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans la première lecture, elle est vivante, la parole de Dieu. Énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Jésus agit. Il opère des miracles. Il donne des signes de libération, des signes de paix. Pourtant, il n'a pas besoin de publicité tapagère. Il n'a pas besoin de parler en pile de lit. Voilà pourquoi il menace le démon. Silence, sort de cet homme. Mes frères et mes sœurs, Dieu est discret. Dieu évite les scènes d'enthousiasme populaire qui peuvent prêter à confusion. Qu'il en soit de même pour l'Église et pour ses institutions. Que dans l'Église-là, nous ne pas chercher aucun populisme. Nous ne pas chercher aucune popularité. Retenons toujours cet adage. Le bruit fait peu de bien et le bien fait peu de bruit. Bon, l'autre qui dit, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Petit bon Dieu a pas besoin de faire bruit. Serviteur bon Dieu a pas besoin d'aller en pile. Il n'a pas besoin de grand spectacle. La fait mission dans la discrétion. Oui, le bruit. En parlant de bruit, la ville de Port-au-Prince était secouée et saccagée par un grand bruit le 12 janvier 2010. On dirait vers 4h50, à peu près 4h50, 53.
un bruit qui fit un mal presque irréparable. Destruction d'édifices publics et religieux. Destruction de maisons et de maisonnettes privées. Et surtout, perte de vies humaines. 11 ans après, on s'en souvient. Et la blessure n'est pas vraiment cicatrisée. Peu de leçons ont été retenues de cet événement. Je dis à Noïna pour nous dire d'abord, tout le monde qui est allé au nom songer, son devoir de mémoire qui continue là. Une famille, une amie, une proche, un monde qui est dans l'église avec nous, un monde qui est dans la congrégation avec nous, un professeur, que sais-je, passe. Côté noyé, cette cour, la maison provinciale de Montfortin, tout ça allait. Séminariste qui était mort, tout ça. Paix qui mourit ici là, tout ça. Nous songeons tout ça. Nous promettions, non mais mon Dieu, nous venons comme déposons 10 fleurs pour nous. Pour nous dire, nous ne pas oublier, pour nous dire, mon Dieu, accueillir. Nous songeons tout. La liste est longue. Moi, je ne peux pas citer. Nous connaissons tout. Ça qui dans l'église, ça qui dans la société, à la prendre service, ça qui dans l'État, ça qui dans l'administration, ça qui dans l'école. Nous tout. Nous promettions, non mais mon Dieu. N'a pas la prière pour nous disparu. N'a pas la prière pour nous gagner un élan novateur qui peut être dirigeant et tout le peuple a reconstruit selon les normes. Mais qu'il commence par reconstruire la personne humaine. Que vous commencez par reconstruire les mentalités. C'est ça qui est premier pour nous dans le pays. N'a pas célébré toute la vie. Et ça symbolisé par deux bagages à semaine. D'abord, nous avons lancé les 150 ans de la présence des Montfortins en Haïti. Nous-mêmes, avec ceux la sagesse, frères avec ceux, nous-mêmes qui n'ont pays à longtemps, qui étaient en pleine beauté, en New York, dans le monde, j'en mets de l'eau, j'en mets de rivière, pour te bailler une nouvelle là, c'est année à ouvrir avec nous. Et à clôturer probablement dans le mois d'août 2021. Cher Montfortin, chère sœur, fille de la sagesse, au nom de l'Église, premier moment de nous, c'est merci. Merci pour ça nous porter dans l'Église d'Haïti. Merci pour ça nous faire pour l'Église d'Haïti. Merci pour ça nous mouiller pour l'Église là. Même si son jour un peu du monde petit caractère triste, mais la liturgie n'est pas triste. Pour Père Montfortin, pour mettre la sagesse, mais venez nous battre bravo pour dire merci. Si année a prouvé l'Odia, nous avons pris de parler en pile de lit. Et certainement, c'est dans le clôture après le plus grand événement. Mais moi-même, dans nos papes, dans nos évêques, dans nos archidiocèses de Port-au-Prince, moi je voudrais saluer nous et souhaiter nous une bonne année de jubilée. Nous avons célébré la vie deuxième, c'est que après Mesta, quelqu'un pose la première pierre d'une école sur terrain côté maison provinciale, terrain qui a été écrasé, qui a été montré que tu as travaillé pour la vie, qui a posé la première pierre pour l'école avec le concours de la DGCL. C'est une grâce de Dieu. Nous disons ensemble, merci Seigneur, merci ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. N'a pas songé tout que dans le pays Sahara, le pays d'Haïti, il y a une nouvelle forme séisme qui frappe nous chaque jour. Nous avons un nouveau tremblement de terre qui chaque jour frappe nous. Non seulement c'est ce crucial que nous avons découvert, que l'ingénieur Repti a expliqué nous, mais il y a un autre séisme qui en particulier qui a frappé nous depuis quelques temps. C'est l'insécurité, le banditisme, le kidnapping, c'est nouveau séisme qui a frappé Haïti depuis quelque temps.
Dans le pays côté insécurité à valer terrain sans frein. Insécurité ça prend une vitesse supérieure. Les gens qui ont quitté quartier, les gens qui ont besoin de courir, quitter caillou. Je dis à réaction. À n'importe qui l'heure, n'importe qui côté, n'importe qui monde, qui est dans la rue, qui est dans le travail, qui est dans le bureau, qui est dans le caillou, tout le monde dans le pays ça en danger. Par exemple, qui est en sécurité. Monde qui a smile en moyen. La fait haïtien monter le ciel par nous. Yo même il va attaquer monde qui bail la vie yo pour aider sa plus pauvre dans peuple Dieu qui a souffri. Yo attaquer monde qui a cherché témoigner de Jésus a dans pays a sans faire bruit, sans faire éclat de mais qui a travaillé bien loin de mais qui a fait éducation du monde. De mes camarades pour les orphelins, kidnappés, ils viennent mettre mes sous. Dans le commencement de tout le monde, c'est pas ça d'attendre. Nous sommes responsables dans l'État, nous avons rétabli la paix et la sécurité dans le pays. Nous sommes en train de changer, mais ce n'est pas ça nous-mêmes. La situation vient plus mal. Je vous dis à dans nos conférences épiscopales, dans toute l'église d'Haïti, pendant l'absence de toutes les victimes, je vous lance un appel ça. Pour les gens qui ont simulé l'insécurité, pour les gens qui ont soutenu, songez à Jésus de Simon Pierre. Mettez l'épée là dans la place, dans le fourreau. Tout le monde qui prend épée, a tué. Oui, mettez ça pour nous. Mettez-vous en place. Parce que nous-mêmes, qui avons des âmes, qui ont crasé le pays, on les a mis à tourner contre nous. Cherchez à faire l'argent facile. Dans le kidnapping, nous ne pouvons pas faire nous riches. L'a détruit nous. Si Mme Pérez, dans le peuple là, quitte pour prendre pouvoir, ou bien pour qu'il y ait pouvoir, a détruit ou ensemble avec tout le pays. Baille Haïti une chance. Baille tête une chance. Pas quitter le désespoir, la misère, pour se nous faire ça mal. Pas de grand ou pauvre, donc on va kidnapper mon pour faire quoi? Son mauvais corps, la broquée dans vos jours. Nous tous ces haïtiens, nous tous besoin de vivre et vivre dans la paix. Nous tous ces petits bon Dieu, Jésus c'est grand frère, nous, il remet nous tous, il veut sauver nous tous. Au nom de Dieu, arrêtez l'insécurité, suspendez. Quitter le peuple haïtien vivre, un peuple qui est déjà pauvre, mais qui m'a dit vivre, quitter le vivre en paix. Frère mieux, Seigneur, nous prenons la prière, de la profite Père du Veillant pour nous disparus. Nous promettons encore une fois dans mes bon Dieu. Nous prenons la prière pour nous-mêmes qui derrière, pour nous vivre d'une façon pour n'importe qui le bon Dieu t'a réuni nous. Nous avons entré la carrière, nous avons fêté avec lui. Nous avons la prière pour le pays qui a reconstruit. Reconstruit dans le bon sens. Reconstruit suivant les principes, suivant les normes. Mais pour ces mouns qui commencent à reconstruire avant, pour ces mentalités haïtiennes qui reconstruisent, qui refait. Parce que si nous continuons avec la mentalité, ça, nous avons marché tout droit vers la catastrophe. Nous prenons la prière pour les mots fortes. Pour mon Dieu, continue de bénir, soutenir, de bailler courage. Pour être disciples missionnaires de Christ. Nous offrons ensemble avec ceux de la sagesse, ensemble avec toute religion, religieuse, toute paix, tout évêque, toute fidèle qui est dévouée dans le service de mon Dieu.
Nous prenons la prière avec moi pour petit monde, élève. Ça peut faire fréquenter l'école, ça qu'a des prophètes là. Ça peut déjà dans l'école, que ce soit l'école, l'église, l'école d'État ou autre. Pour petit monde, ça veut dire un bon livre, un bon principe. Pour grandir comme bon chrétien et comme bon citoyen. Nous prenons la prière, enfin, pour le peuple haïtien. Que mon Dieu fait nous passer une année dans la paix. Une année dans la justice. Que mon Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de perpétuel secours, casse toute chaîne qui marie nous, casse toute chaîne qui marie le pays, pour le faire nous vivre, tant pour petit lit, dans la dignité, dans la remède, l'une pour l'autre. Amen. Avec en pile la foi en la prière de Dieu, en présentant nos défunts, en présentant notre Église, notre pays, en présentant le peuple, en ce moment tout le monde qui a souffert, tout le monde qui a buté pour demain capitaine, en campant pendant la prière. Et les hommes ont du mal à découvrir réellement la présence de Dieu agissant dans les petites choses de la vie. Pour tous les disparus du séisme du 12 janvier 2010, spécialement ceux de la famille Montfortin, qu'ils demeurent dans la paix de Dieu pour toujours. Prions le Seigneur. Et pour les missionnaires que tu appelles aujourd'hui à annoncer ta parole, en particulier
pour les missionnaires montfortins qui ont œuvré sur le sol d'Haïti depuis 150 ans. Que ta joie, Seigneur, les accompagne toujours, afin qu'ils continuent à annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Prions le Seigneur. Et toute l'équipe de la Fondation, puisse le Seigneur les combler de ses bénédictions et de sa constante protection. Prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de marcher avec courage sur le chemin de la vie et que notre foi soit plus forte que notre peine. Prions le Seigneur. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Fais briller sur eux la lumière sans fin. Amen.
Prenez
mangez en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. En mémoire de Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre archevêque, Max Leroy, qui préside cette Eucharistie, son auxiliaire, Ducoge, avec les prêtres et les diacres, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs, endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, spécialement les disparus du tremblement de terre, le 2 janvier 2010, les 11 confrères ont porté disparus, les filles de la sagesse. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfants, Seigneur, nous nous implorons ta bonté sur les missionnaires Montfortin, à l'occasion de leur jubilé de 150 ans. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, spécialement Seigneur Marie de Montfort, bienheureuse Marie de Jésus, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, qui est élevé. Thank you.
unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, la vérité parfaite, roi qui règne pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Prions le Seigneur. Nous qui avons participé à l'Eucharistie, nous voulons encore te prier, Dieu très bon, pour nous-mêmes et pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Que cette communion serve à notre salut et procure à nos morts ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur pour ces 150 ans. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Le 30 août 1871, trois missionnaires montfortins sont arrivés de la France, accueillis par l'archevêque de Port-au-Prince de ce temps-là. Nous rendons grâce au Seigneur pour Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Port-au-Prince, d'avoir accepté de présider cette messe de lancement de nos 150 ans
de présence en Haïti. Merci, mon Seigneur, déjà d'accepter de célébrer avec nous le 30 août 2021 à la cathédrale de Port-au-Prince ou à Saint-Roi de France ce jubilé. Merci à tous les confrères, prêtres Montfortin et prêtres de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Merci à Père Ismic, notre vicaire général, d'être présent avec nous pour couvrir ce jubilé. Merci à nos sœurs, les filles de la sagesse, d'être présentes avec nous en ce jubilé. Un merci de tout cœur à la Fondation Digicel qui a voulu donner corps et chair à ce lancement. Merci pour ce beau cadeau offert à la famille Montfortin. Merci d'avoir accepté de nous aider à reconstruire les bâtiments éducatifs des missionnaires Montfortin de la rue Bonsang. Un merci spécial à Madame Sophia, à l'ingénieur Fritz. Un merci spécial à Sœur Hélène. Dieu vous rendra au centuple. Dieu vous comblera de ses grâces et de ses bénédictions. Un merci spécial à la chorale des compagnons, aux musiciens et à tous ceux et celles qui ont contribué pour rendre notre célébration ce qu'elle est en ce moment. Merci à la presse parlée, écrite et télévisée. Merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, 12 janvier 2021, je déclare ouverte notre jubilé des 150 ans de présence des Montfortin en Haïti. Je suis présent pour le lancement de l'année jubilée. Le supérieur général sera présent le 30 août à la clôture. Et justement, le père général a envoyé au père Jean-Jacques, au Montfortin, un message que je vais rapidement vous livrer. Alors, dans ce message, il écrit « Salutations de Rome, cher Père Jean-Jacques et nos amis Montfortin de la province d'Haïti. Il y a 150 ans de présence montfortaine en Haïti. Un temps pour se souvenir, un temps pour se réjouir, un temps pour repartir. Se souvenir avec gratitude des trois premiers Montfortins. Le père François Rupin, 64 ans, le père Ernest Boulanger et le père Henri Lamourique. Le 1er août 1871, il y a eu le salut du départ. C'était à la chapelle de la sagesse à Saint-Laurent. Il faut retourner
arrière, se souvenir avec gratitude de ce départ des droits premiers Montfortin, se réjouir avec passion, c'est un événement joyeux, inauguré par un son de trompette quand il y a jubilé. Donc aujourd'hui, Montfortin de la province d'Haïti, réjouissez-vous parce que vous avez un héritage à transmettre. Il faut se réjouir avec passion. Il faut repartir avec espérance. Retourner en arrière pour se tourner vers l'avenir. Et quand les trois premiers devaient quitter Saint-Laurent le 1er août, c'était avec cette parole de Montfort. Que faisons-nous ici, tandis qu'il y a là-bas tant d'âmes qui périssent faute de prêtres? Que faisons-nous ici, tandis qu'il y a là-bas tant d'âmes qui périssent faute de prêtres? C'était les Monseigneur Guillaume qui viennent faire demande. Et puis, paix au songer, foyer venir à Haïti, et surtout port de paix, parce que tant d'âmes périssent faute de prêtres. Donc, le Père Général l'a dit, Haïti a cette responsabilité, eh bien, dans le jubilé, ça, les dit pour lui transmettre héritage. Il y a une fondation de nouvelles communautés internationales, il y a de nouvelles missions. Haïti a un héritage à transmettre. Voilà l'invitation du Père Général. Je vous souhaite une bonne année jubilaire, bon courage, repartir avec espérance. La célébration des 150 ans de Montfortin en Haïti. Je me réjouis du fait qu'ensemble, nous avons la possibilité de créer un projet qui aura un impact positif sur la vie de milliers de jeunes dans les années à venir. Quelle meilleure façon d'honorer ceux qui sont passés le 12 janvier. La reconstruction de l'institution mixte Notre-Dame de l'Assomption est un projet auquel nous sommes très fiers de nous associer et nous valorisons le partenariat que nous avons développé avec les Montfortin à travers les années. Nous avons hâte d'inaugurer les nouveaux locaux et nous sommes convaincus que les enfants bénéficieront d'une éducation de qualité grâce à votre dévouement. Bon travail et bonne fête.
merci à nous toutes, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, votre fidélité. Merci à la Fondation Digicel. Immédiatement après bénédiction, nous prenons ce site-là pour nous capables de faire pause, première pierre de l'école-là, après nous faire une petite prière. Nous sommes capables de camper pour bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père.